Le numéro 70, c'est Alex de Bettencourt. Le numéro 40, c'est Bourbon Yanis de Besançon. Voilà pour les trois premiers. Et la quatrième, je l'ai déjà cité, c'est Roturier, Denis de Champagne. Lui, c'est bien parti. Avec le gros Paul de Chenal. La troisième position, le numéro 97, le numéro 97, de Beaulieu Mandeur, la quatrième place qui est faite, c'est la bagarre, avec Chantal, pas le patient, c'est quoi, c'est parfait, avec la ligne de Matan. Voilà qui saute, qui jette pour la première partie de cette deuxième fois sur cette deuxième ligne, il est suivi par le numéro 74, Nathan Antoine, Beaulieu Mandeur, le numéro 99, le numéro 99, les Moëlans Mathias de Saint-Amande. Attention, il est suivi par deux pilotes devant Paris-Tavo avec Jupiter Matisse, Corté Clément. Voilà les trois pilotes qui ont fait le trou pour se voir qualifier pour les quarts de finale. La quatrième place qui en est faite pour l'instant, c'est Cernet, le beau maillot de Cernet, jaune fluo, Kate et Jules, qui est en quatrième position alors qu'il y a une petite chute pour Dehamel. Il est de solo. Oh là là, c'est bien parti pour le maillot. Voilà les deux pilotes sont en mano qui va virer en tête de ce deuxième virage. Oh, qu'il est costaud, monsieur B. Maxence. Monsieur B. Maxence de Besançon a viré en tête dans ce deuxième virage. Devant Franco Paco de Solon. La troisième place, c'est Presso Axel, il est de Tavo. Et la quatrième place, je n'ai pas vu, je ne pouvais pas vous dire, mais le meilleur sur Bouchard avec Boblidam, alors que je crois que ça s'est intercalé dans. Oui, c'est bien Bouchard, c'est Paul qui a pris le meilleur sur Bastien Evan de Saint-Avold, le 77 et le 32, Béguy Seyard de Bertrange. Et le numéro 32, là, Axel de Beaumédin, voilà pour les quatre premiers. Pour